Bonsoir tout le monde, merci d'être choisi Télévision Nationale d'Haïti pour informer. Non pas, c'est Yvenson Frank. Dans quelques secondes, nous allons présenter Grand Titio. Un point cap dominé actualité, président République la Jovenel Moïse recevoit jeudi en audience non palais national, secrétaire général adjoint dans opération maintien la paix, Jean-Pierre Lacroix, dossier choléra à redéfinition et statut mini juste tenant mi-temps discussion yo selon ministre Affaires étrangères à Kiltla Antonio Rodrigue. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine remet 900 chèques, 20 000 goudes, bail à marchandes victimes d'IFE, non marché, en fait, avec marché d'IPOR, mercredi 14 mars là, chef gouvernement annoncé création fonds garantis qui permettent marchandes yo prêter l'argent à taux très bas, qui permettent yo reprendre activité commerciaux. Ministère Travaux Publics, Transport et Communication, en tête collée avec Banque Mondiale, organisé un atelier consultation sous contrat service pour tirer réseau énergie yo en Haïti. Activité ça, rassembler représentants diverses entreprises qui travaillent dans affaires énergie dans le pays. Chambre députée mettait campé en commission et spéciale enquête pour faire lumière sous incident qui arrivait dans le Pédénal. Ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti fait un viriron dans la région nord-pays pendant le commencement c'est maintenant. Michel Jeanne Sison a profité d'animer une conférence sur relations États-Unis avec Haïti. Actualité à l'autre bord de l'eau, en chambre député allemand désigné Angela Merkel, la chancelière, pour un quatrième mandat avec 364 voix contre 315 mercredi 14 mars 2018. Là. Angela Merkel, qui prêtait ses mains devant Bundestag, là, montrait l'impatient pour commencer le travail. C'est point ça, à quand pilote nous bral développé pour vous, restez branché, Naptoune. Bienvenue dans le développement journal là, nous avons démarré avec page météo que collaborateur nous, Wilner Polidor, a présenté. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble encore aujourd'hui, qui c'est 14 mars 2018. On a vu comment conditions météorologiques sont sur le bassin Caraïbes. Nous avons un fond froid qui est venu dans la partie orientale Cuba, ça veut dire la partie est pays Cuba. Et fond ça, il supposé concerner nous dans le jour qui vient, même s'il a supposé dissiper. Mais situation plus concerner nous, ces zones de haute pression qui sont venues sur l'Atlantique Nord, les zones de basse pression qui sont tout près Amérique du Sud. Et couloir qui est entre deux zones Sahara a provoqué un temps venteux et ensoleillé sous le pays. Ça veut dire jeudi, nous avons avec un temps qui est vraiment ensoleillé sur tout le pays avec vent qui a soufflé et vent Sahara capable de force sur quelques endroits. Il faut que nous rappelions tout bien possibilité pour gagner quelques averses à pluie en soirée et même au cours de nuit. Les situations qui ont causé ça, premièrement, nous avons une brise de mer qui a porté humidité et nous avons un réchauffement pendant la journée qui est capable Vinbay quelques activités de la pluie, surtout nord-ouest avec Grenade sur Cap concerné par activités de la pluie en soirée et au cours de nuit. Là. Pour capitale avec zone qui environne son capitale qui joue de beau temps, c'est vent avec soleil que nous gagnons. Mais en soirée, nous avons une possibilité pour gagner quelques tirs avec la pluie, mais c'est vraiment isolé sous quelques quartiers sous capitale avec zone qui environne nous. Et il fait très chaud aujourd'hui, la température a monté jusqu'à plus. Et puis, la descente, c'est 20 degrés. Pour la mer, c'est une mer qui agite sous côte nord et côte sud, mais golfe de la Gonave, la mer, elle peut agiter. C'est où ça demande des capitaines d'embarcation, précaution avec prudence, parce que côte nord avec côte sud, là, elle est agitée, mais elle est capable de naviguer parce qu'il y a un beau temps sous pays. Et pour page astronomique, nous avons soleil qui a couché jeudi à 6h59 et la pluie demain matin à 6h58. C'est ça le dernier pour situation météorologique là. Merci pour fidélité avec attention. On va croiser demain pour l'autre page météorologique. J'ai noté annoncé le grand titio, président République là, Jovenel Moïse, recevoir en audience dans le palais national, mercredi 14 mars là, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint dans l'opération Maintien la paix. Divers points discutés dans la rencontre ça, qui déroulait en présence plusieurs autorités.
haïtienne à cadre dans les Nations Unies, spécialement dossier choléra avec redéfinition et statut mini-juste. Ministre Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, a bail plus de détails dans le vernis. Le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, a reçu en audience au Palais national M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux opérations de maintien cordial. Le secrétaire général adjoint Lacroix a fait part au président de la République du message du secrétaire général Guterres relatif à la nécessaire normalisation des relations entre Haïti et l'ONU suite au rappel respectif pour consultation du représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Denis Rogis, et de celle de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Suzanne D. Page. Pour sa part, le président a bien accueilli le message du secrétaire général, tout en lui exprimant la position du gouvernement haïtien que la MINUJUSTE soit transformée en une mission de coopération technique d'appui à la justice en lieu et place d'une mission classique de maintien de la paix. Le chef de l'État a également mis en exergue la nécessité que l'ONU mette en œuvre le plan de l'élimination du choléra à deux volets, élimination du choléra et compensation des victimes, que le secrétaire général avait annoncé en août 2010. Par ailleurs, le président de la République a réitéré la nécessité que les projets et programmes des partenaires techniques et financiers soient alignés sur les priorités nationales conformément aux principes de Paris de 2005 concernant l'efficacité de l'action et de la coopération externe du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Défense, du secrétaire d'État à la sécurité publique, du représentant permanent d'Haïti auprès des Nations Unies, du directeur de cabinet, ainsi que de ses conseillers diplomatiques. Merci. Ministère Travaux publics, Transport et Communication, en tête collée avec Banque mondiale organisée, un atelier consultation sous contrat à service pour tirer réseau énergie en Haïti. Activité ça qui rassemblait représentants diverses entreprises qui travaillent dans affaires énergie dans le pays. C'est occasion pour directeur général autorité nationale régulation secteur énergétique, là, Evans Calix, expliquer projet énergie renouvelable pour tout le monde et puis présenter modalité. Le monde doit respecter pour gagner licence pour produits à vente courant en Haïti. John Herbie Casseus à Lower Darley, Jean-Jacques Contrandi. Projet énergie renouvelable pour tous, c'est une initiative de l'État haïtien pour faciliter plus de monde courant la caillou à partir d'énergie au cajun à travers soleil, vent à l'eau, d'après directeur général, autorité nationale, régulation secteur énergétique. Evenson Calix, ingénieur Calix, qui t'a présenté projet à bail secteur privé a expliqué des démarche ça visait encourager secteur privé à venir investir plus dans produit à vente courant en Haïti. Tout le monde qui est intéressé produit distribuer et puis vendre courant dans pays a le gain autorisation la mairie, ministère travaux publics à Anansi. Une fois que vous finissez le contrat ça signé par trois moun sa yo qui a prouvé par autorité nationale régulation pays à pour énergie qui s'est annoncé, on a passé à deuxième étape là qui c'est Umbral Bay développeur, c'est-à-dire le développeur, yon licence provisoire. Qui la licence dit son autorisation qui dit que telle compagnie autorisée à produire courant là, à distribuer courant là et à vendre courant. Nous dit que mon a bon licence dans même provisoire pendant 6 mois bien 1 an et demi au maximum, pendant 1 an et après ça, il y a obligation pour commencer projet. Si va commencer projet, il perd exclusivité. Il y a bail avec l'autre monde. Il y a 35 millions de dollars américains qui sont déjà disponibles pour le projet ça réalisé selon le coordonnateur projet énergie renouvelable pour tous là, Nicolas Alien. Le centre de la connaissance de présenter mon centre pour ce contrat à l'ouïe, qui est mon responsable bien, des feedbacks pour essayer de passer ça de passer à bon. Est-ce que c'est vraiment applicable et puis ouais, ça m'a corrigé pour que le contrat KK effectivement fait ça de faire. À travers le projet ça, l'État haïtien visé mettait courant dans tout le pays, selon l'ingénieur Evenson Calixte.
L'autre point dans le journal là, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine remet 900 chèques 20 000 gouttes by marchand victime d'IFE, le marché en fait, avec marché d'IPO, mercredi 14 mars là. Chef gouvernement a annoncé création fonds garantis qui permettent marchand yo prêter l'argent à taux très bas, qui permettent yo reprendre activité commerciaux. Reportage Sainte-Croix-Paki à Rémi Gojit. C'est un total 900 machines qui bénéficient chèque 20 000 gouttes à qui ont quitté produits alimentaires. Objectif là, c'est accompagner machines victimes du fait marché en fer et marché du poyo. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine expliquait, l'administration Moïse et le gouvernement Lafontaine prend engagement pour mettre disponible un prêt cap faciliter machines sayo, jeune agent à qui ont fait intérêt pour reprendre l'activité commerciale. Jean-président de la République t'a proposé, nous avons plusieurs étapes. Première étape, non, c'est ça créer les boucanets qui prétendent bouillir. C'est une étape qui pourrait aider nous passer un si mauvais moment. Parce que entre-temps, nous avons une obligation familiale, nous avons une obligation personnelle. Donc c'est pour ça, nous là, après-midi, hein, pour première étape, non. Première étape, non, côté que chaque monde qui est identifié, il y a pour se voir un chèque de 20 000 gourdes. Et nous connaissons que un dernier groupe qui va le ressurger, que le président de la République dans le Zélie, nous parle pas chez nous au cas par cas. Nous connaissons que le problème est tellement en pile, nous ne pas attendre. Mais maintenant, de nous patience. Parce que entre-temps, nous-mêmes, nous avons travail pour nous. Nous commençons analyser plusieurs cas de figure. Et cas de figure qui est beaucoup plus intéressant que nous avons exploré pour nous, hein? C'est côté que nous prenons au cas par cas, où est-ce que nous sommes capables d'assurer le refinancement chaque grain de machine. Très prochainement, n'est-ce pas vrai, nous avons rencontré avec nous pour nous parler de modalités, hein? Et puis comme ça, nous avons ouvert la porte accès à crédit ça pour nous-mêmes, tout en ayant, n'est-ce pas vrai, support au gouvernement pour nous mettre fonds ça sous pied, avec un taux d'intérêt qui est très, très, très bas. Machin Sayo remercie le gouvernement pour moyen financement ça, pendant qu'il a demandé aux autorités concernées de déblayer le marché et puis permettre de bénéficier crédit dans une date qui n'est pas trop loin. Nous demandons de déblayer le marché pour nous. Nous venons pour nous payer, pour nous sembler moun. Nous n'avons pas de problème à Premier ministre qui fait geste. Comme si vous faites, qui va arriver, il n'y a pas de problème nous liquider, mais il va nous chèque là. Nous prenons, nous pas faire Premier ministre là, parce que c'est le chef de l'État dans le pays, à Premier ministre, à président, nous prenons. Mais, il faut Premier ministre là qu'on est, tout le peuple ça a brûlé là, qui a souffert là, ça le dit l'affaire pour le faire le plus vite, pressé possible. C'est prêt qui intéresse nous, mais pour nous avec un taux qui est très bas, pour nous payer comme là-bas. Commission interministérielle qui travaille sur le dossier machin victime annoncé et après poursuivre avec le processus recensement machin dans le marché en fait à Côte d'Ivoire. N'a pas rappelé, dans le mois de février passé, 200 machins ont déjà bénéficié d'un chèque, 20 000 gouttes. Il y a une démarche qui a pas poursuivre, d'après le ministre des Affaires sociales et du travail, Stéphanie Auguste. N'a prend direction au Parlement, président chambre député à Gary Bodo fait qu'on a gagné en commission spéciale enquête, yo mété campé dans chambre député à qui gal gain pour mission pour faire lumière sur incident ça qui arrivé dans Pédernal l'un jour qui saute passé yo. Décision ça à prendre en séance qui était réalisée mardi 13 mars passé. Yo extrait dans micro Richardson Jourdan avec Moïse Wilbridge. Par rapport à ensemble des problèmes qui posaient dans le dernier jour ça autour, par rapport avec ce qu'on est passé à propriété terrien dominicain. Donc nous ouais tout ça, ça baille comme remou et nous ouais bon remonter une sorte de sentiment et nationalisme et qui citoyen qui décide si yo bo 24 heures déclaré persona non grata sur mon territoire. Nous connaissons ça, son bagage qui capable yon sorte de droit. On doit même qu'on l'état qu'a gagné pour dire ou pas bienvenu sur mon territoire ou bien illégal sur mon territoire à travers les services appropriés, mais c'est pas des citoyens qui vous disent qui est-ce qui a évolué sur mon territoire, qui est-ce qui ne peut pas évoluer sur l'autre territoire. Je nous connais nous-mêmes, bon côté par nous, nous avons des collaborations, des tuyaux,
Donc, il y a des discussions qui sont faites de manière informelle et nous avons informé le ministère des Affaires étrangères tout sur des dispositions qui vous prennent et il y a des rapports pour nous. Mais, bon côté par nous, nous formons une commission spéciale qui supposait travail sous dossier des deux côtés de la frontière d'une part et d'autre part tout garder tout qui ça qui bon dans relation deux pays yo pas oublier que peuple dominicain avec peuple haïtien yo condamné pour vivre ensemble donc bon ensemble de produits et locaux tout le monde qui vit sous frontière république dominicaine yo acheté etc. Donc je dis à gien des monde tout gien des dominicains des citoyens dominicains tout qui c'est des commerçants qui très préoccupé par rapport avec situation ça qui a déroulé là c'est pas une situation peuple dominicain contre peuple haïtien mais son incident qui passait dans une zone donnée et n'a profité tout et pour nous dénoncer une série de vidéos nous qui circulent sur réseaux sociaux des vidéos que moi déjà peut-être dans l'année 2005 2006 je me rappelle plus mais c'est des vidéos que qui m'a mis l'impression de déjà vu, donc des mouns cap et attisé, ouais, et cap fait des comportements et chicanier pour mettre l'huile sous du feu. Député Michel Jacques Saint-Louis avec Jean-Ruiller Jean et puis Tanis Tertius qui c'est trois non députés qui fait partie commission spéciale enquête ça a annoncé au doit quitter Port-au-Prince jeudi 15 mars pour rendre au Pédernal pour regarder ça qui la cause situation ça t'est arrivé dans zone là d'après ça il fait qu'on est membre commission a rencontré autorité des zones sous dossier un extrait dans micro Richardson Jordan avec Moïse Wilbridge. Sous la demande de plus d'une cinquantaine de députés, le bureau a été formé en commission spéciale d'enquête qui supposait aller en chapitre pour nous faire des lieux autour d'incidents qui étaient opposés à la population pédernale là, à Haïtiens qui vivent pédernale. Nous avons l'intention de déplacer soir, puis midi ou sinon demain matin très tôt pour nous faire état des lieux. Et m'a annoncé nous que la commission spéciale ça est composée des députés Jacques Saint-Louis, Tanis Tertius, député Jean-Willier Jean, député Gladys Lundi, député Le Man Premier et député Woody Deville. Et c'est une commission d'enquête qui va gagner pour au moins nous comprendre et nous chita tout sur relations diplomatiques. Et c'est ça que fait, je pense que nous avons pour nous informer le ministère des Affaires étrangères et permettre au moins nous ambassade d'Haïti en République dominicaine pour au moins nous et consulat tout consulat ici en, du côté de Balaona. Nous allons essayer de rencontrer autorités locales, magistrats, délégués, vice-délégués et puis responsables de la police qui est dans la zone et Kazek qui est dans la zone et puis ensemble organisations qui est dans la zone tout nous allons essayer rencontrer, nous pour essayer d'approfondir l'enquête là, pour nous voir exactement qui ça qui cause. Et de temps en temps, il y a un bouleversement ça qui a fait dans la zone là. Et nous, notre pays, vraiment, qui est chargé avec problème. À chaque fois que le problème ça a posé, donc le gouvernement a des difficultés tout. Donc, nous-mêmes, en tant que responsables, nous supposons aller sur place pour nous voir. L'autre dossier, ministre Torisla Colombe, Émilie Jessiménos, présenté mercredi 14 mars là dans une conférence pour la presse. Bilan, participation Haïti dans le salon touristique Berlin, sorti 7 rivé 11 mars passé. Au Foire mondial, ça a été réuni. 180 000 visiteurs pour un chiffre d'affaires 7 milliards d'euros. 100 000 professionnels, 10 000 exposants. Ministre Colombe, Émilie Jessiménos, fait qu'on est, c'était occasion pour vendre pays comme destination touristique. Ministre Teddy Tou l'y rencontré à Opérateur Toua, agence voyage, magasin qui est spécialisé dans le dossier touriste à quelques potentiels investisseurs. Un extrait dans le micro Falland Delphin à Chloor Darly Jean-Jacques. Salon en quelque sorte, c'est un coup son marché que lié. Dans le marché, ça, nous connaissons exactement qui ça compte fait dans le marché. Dans le marché, moun vini exposer produits, moun vini exposer, yo vini vendre, ça y a gagné comme potentialité. Et bien, en termes de langage touristique, tout, ça nous vient de faire, c'est peut-être ça que nous relève le salon touristique. Donc, dans le salon, il y a près de 180 pays qui viennent présenter
pays yo qui vient vendre, qui vient montrer qui potentialité que pays yo gagne, qui richesse que yo gagne et comment qui type de touriste pour capable faire la caillou. On t'ai rencontré tout opérateur, tout monde qui t'ai souhaité rencontrer, tout monde qui t'ai venir visiter tout stand Haïti en tout. Donc on t'ai fait un paquet de rencontres. Côté nous te ouais toute opportunité qui gagne avec tout le monde qui était là, tout opérateur, tout le monde qui a vendu par exemple destination Haïti en côté que nous te vinn ouais tout dans l'autre stand l'autre tout opérateur qui a vendu et destination Caraïbes là qui au même tout te gagne Haïti tout là dedans tout compte que nous te fait tout. Dans le 8, moi vinn participer à un panel qui était assez intéressant côté que qui t'a montré tout les opportunités, les défis au niveau du secteur touristique pour les femmes entrepreneurs parce que pas oublier que le 8 tout c'était dans la journée internationale de la femme. Côté que j'ai bon parlé tout, soit à faire tout défi à opportunité que nous-mêmes en tant que haïtiennes tout que nous-mêmes. Et après ça, j'ai suivi tout aussi de un award show qui c'est au même tout que j'ai payé des primes à des ministres du tourisme au même tout qui étaient des femmes qui ont même été distinguées pour travail tout pour tout ça que j'ai fait. Ambassadeur États-Unis dans le pays d'Haïti fait un viré rond dans la région nord pays pendant un commencement c'est maintenant. Michel Jeanne Sison t'a profité animé une conférence sur relations États-Unis à Haïti. Conférence ça t'es occasion pour diplomate là t'es expliqué position pays li dans quelques dossiers. Antimars avec Pems Jean-Baptiste Abdinoplis. Professeur, étudiant, professionnel dans divers secteurs, parlementaire, autorité locale. Tout est présent dans l'auditorium Campus Saint-Christophe Limonade là, dans l'occasion de la conférence ambassadeur Michel Sison t'a présenté. Sécurité, coopération, immigration, éducation, c'est parmi les thèmes qui étaient abordés pendant la conférence ça, qui étaient attirés à l'applaudissement et l'assistance là. Diplomate américain a profité, rappelé l'histoire qui m'a rendu le développement des pays. D'après le diplomate là, l'avenir des pays ça dépend l'un dans l'autre. Pour nous, de travailler pour cet état de droit, pour travailler pour la sécurité et la stabilité. Ce sont des ingrédients très importants, des ingrédients essentiels, cruciaux pour attirer les investisseurs. Mais vous avez touché à une question très intéressante. Évidemment, Haïti, c'est un état souverain. Séance qui a demandé ligne sur quelques dossiers qui intéressaient eux. Coopération, immigration, c'est deux thèmes qui étaient cités plus. Madame Sison rappelé détermination États-Unis pour continuer à supporter le développement dans le pays d'Haïti. Nous gérons, nous mettons beaucoup d'importance sur la bonne gestion de ces projets parce que c'est important pour nous. Ces projets reflètent la contribution du peuple américain. Ce sont les Américains, les contributions des impôts des citoyens américains par voie de l'USAID qui fournissent les fonds que nous, à l'ambassade, utilisons pour ces projets. Alors, c'est à nous de garantir, d'insister sur la bonne gestion de ces projets. Ce n'est pas uniquement une conversation entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement d'Haïti. Nous avons pas mal de projets, pas mal de collaborations, projets de collaboration, de coopération avec les ONG, avec les institutions académiques, avec des partenaires dans le secteur privé. Alors, ces projets sont créés avec cette collaboration bilatérale qui est très, très, très profonde. C'est pas quelqu'un à Washington qui pense à un projet et on fait ce projet. C'est un processus de discussion et de collaboration ici sur le terrain pour tous ces projets. Michel Jeanne Sison rentre dans le pays d'Haïti comme ambassadeur dans la date 21 février 2018. Là. C'est la deuxième fois que madame Michel Sison vient travailler dans la diplomatie dans le pays d'Haïti après l'expérience dans l'année 82. Commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle organisée un atelier travail avec organisation jeunes dans tout le pays, mercredi 14 mars 2018. Là. Activité ça, faites valider pour Chita Palé avec plusieurs membres, organisations géniaux, prendre les et puis faire recommandation by président de la République. Là. En suivant un reportage avec Daline Dorival et Michel Joseph. Commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle Genio
rencontrer diverses organisations géniaux qui sortent dans 10 départements géographiques pays ya dans cadre d'un atelier de travail pour poser problème jeunesse là à faire face dans société ya. Coordonnateur adjoint commission Jean-Marie Théodate rappelé important géniaux gagnent dans société ya pendant lui expliquer une bataille commission a mené c'est empêcher géniaux quitter pays ya. Chaque jour c'est par charter entier que Jeunio a quitté le pays pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller en Argentine, pour aller dans l'autre pays. Et nous connaissons que généralement, les arrivés dans le pays, ça y est, ils pas tourner, nous pas dur. Et nous connaissons tout que, Gendele, les arrivés dans le pays, c'est mauvais traitement qu'ils rejoignent. Nous, tout simplement, constater que le pays, ça, à travers Jeunio, il est en détresse. Jeunio m'a dit, il a volé gaguet. Et alors que nous finissons formés pour nous bailler en espoir et au final nous avons levé quitter nous. C'est un coup, nous avons pratiqué en sorte de laver main sur la tête. Et c'est difficulté ça que nous sentis. En pile jeune handicapé, pas gain accès à opportunité de travail. En pile là-dedans, pas suspendre, subir discrimination. C'est ça qui explique présence président de vision pour monde handicapé en Haïti. Johanna, c'est tout. Avec jeunesse haïtienne qui a quitté le pays, il y a même qui manque d'encadrement, le fait qu'elle vive avec un handicap, ni dans cause d'accessibilité, éducation, santé et puis opportunité d'emploi. Moi, pensais que ces problèmes ça qui a fait face, au fait rapport de ça, fait part de ça et avec atelier ça on est capable de dire un mot, toucher un mot pour yo et pour tout type de monde tout trans social depuis ces jeunesse haïtienne moi passé. Président jeunesse Montante Beaumont salier Jefort administration Moïse là à gouvernement La Fontaine qui était sous place pense que c'est parce que lui ouais en quelque sorte dans jeunesse là une opportunité qu'elle doit saisir. Et là encore du fait que le mettait sous pied c'est déjà un grand pas. Et nous encourager pour aller dans la même voie, ça, et justement pour le capable de tenir tout. Et ensemble, nous allons aller. Parce que, j'en le dis, le pays n'a pas fait rien pour nous. Mais c'est ensemble pour nous qui s'en a fait pour le pays. Et moi-même, je suis peut-être dans la logique ça tout. Et nous féliciter le président de la République tout, qui a décidé de mettre la commission ça sur pied, justement, pour être capable de prendre en quelque sorte doléances jeunes. Parce que seul, nous ne pouvons pas aller en quel côté, mais ensemble, nous sommes capables d'aller loin. À travers atelier travail ça, Commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle jeunio témoigne volonté chef l'État pour poser problème jeunesse là à faire face et puis dégager solution pour faciliter l'intégration catégorie ça yo dans société a. Nous arrivons au moment pour nous prendre en pause dans le journal l'art été branché n'a tourné dans un petit moment. Journal La App va poursuivre sur Télévision nationale d'Haïti. Député Jacques Mella, qui est-il Jean-Philippe, dénoncé menace directe et sous-imen, ministre de l'Éducation nationale Joseph Absibi, nommé individu, il n'y a pas arrivé identifié. Il pas demandé à quoi menace ça, il y a aucun rapport à question chèque zombie. Directeur et sous-imen, ministre de l'Éducation nationale, là, monsieur José Joseph, qui subit plusieurs attaques. Et d'abord, yo dévissé carotte machine ni. Et si pas ni attention t'a fait accident. Yo dévissé bas direction machine pendant que machine dans ministère. Dernier quoi c'est que yo plaqué carotte machine directeur. Pour qui ça me parler dans la presse c'est parce que directeur Jésus maintenant gon travail spécifique commission éducation fait avec lui pour épurer le système de chèque zombie et ministère rapporté au Kembe ensemble des chèques déjà qui montent à presque 122 millions de gouttes. Et ensuite, ce processus pour nommer professeur qui est dans une situation irrégulière. Côté qui a gagné, des gens qui ont fait des pressions pour fouer des gens qui n'ont pas dans la salle de classe, mettez-vous dans liste là. Et tu as une pression qui a fait tout pour remettre des chèques zombies et que le ministère a gardé. Moi, puisque il y a plusieurs attaques, et moi, je souhaitais que le ministre prenne des décisions fermes pour protéger la sécurité de M. Jose, parce qu'il y a un pays en service. C'est un poste qui est difficile, mais c'est sous recommandation et commission éducation qui était demandé depuis le ministre Dawson pour épurer le système. Et ensuite, les gens qui ont nommé, c'est des gens qui sont qualifiés et c'est des gens qui sont dans le système, qui sont dans une situation irrégulière.
Plusieurs organisations dans la société civile, là, Cap Défendre Droit Moun, réalisé une séance travail sous gestion fonds Petro-Caribéa. Plusieurs sénateurs qui étaient présents dans l'occasion ont félicité l'organisation Sayo pour l'initiative. Ça. Un extrait d'un micro Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. Nous-mêmes, au niveau de la société civile, là, pour le 4 décembre, l'organisation du droit de l'homme, nous disons que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous compreniez que vous avez passé un dossier pour Petro-Caribéa passé comme ça. Donc, nous disons que citoyens haïtiens, c'est vous qui pouvez payer les conséquences. C'est vous qui pouvez payer l'argent qui est perdu. Et citoyens, pas qu'on est au fond qui s'appelle la donne comme dossier. Donc, ils disent que le dossier Petro-Caribéa, c'est une persécution politique. D'autres disent que c'est un dossier farfelu. D'autres disent que c'est un dossier qui est plein de mensonges. D'autres disent toute bagarre de dossier Petro-Caribéa. Je vais dire ça, vous voulez. Mais nous-mêmes qui concernés, nous-mêmes qui regardons, nous-mêmes qui concernés, nous disons qu'on connaît ça qu'on a le dossier. Je ne vais pas faire de bagarre là. Un petit chambre, un petit couloute derrière rideau, nous ne pas connaître de temps en temps qu'on bagarre qui paraît. Donc nous pensons que c'est le devoir nous-mêmes comme citoyens, comme société haïtienne, comme société civile, c'est de voir pour nous connaître sa guerre dans votre dossier Petro-Caribéa. Moi, j'ai une position ferme dans la bataille qu'a faite contre la corruption dans le pays, puisque de concert avec plusieurs autres autorités, j'ai réalisé que j'ai une bataille d'hommes d'État pour combattre la corruption, qui est principal handicap au développement. Donc, en pile fois, nous ne sommes pas capables de river sous citoyens pour nous délivrer ça au besoin, c'est parce que nous empêchons par un système corrompu, côté que l'argent population allait à régler des bagages personnels et puis le peuple a lui-même été sans service et tout le temps à plein. Nous prenons responsabilité, pas nous, et que j'en dis au péril de vie, nous, au prix de beaucoup de sacrifices pour nous produire rapport. Nous soumettons les appréciations sénateurs, en pile là-dedans, au conscient. Il y a l'autre qui n'a pas conscience ou nécessité pour changer l'ordre des choses. Je dis à partir des sacs faits là, il y a une compréhension de questions, il y a pas le fond de bagage. C'est son travail informatif que nous avons fait. Et société civile a été invitée, nous venons présenter le rapport là. Puisque il y a un pile monde, justement, qui a besoin qu'on ait ça en dans deux rapports. Donc je dis à nous venir exposer le rapport là. Et c'est à titre informatif que nous faire pour que le grand public là soit au courant du rapport, nous en détail. Conseil politique qu'on a sauvé la Rosemont Jean, il y a un extrait dans le micro Mindrey Milias avec Hervé Pierre. Nous avons dénoncé et nous avons condamné encore l'attaque qui fait sous le cortège Idmo qui brille. Ça fait la police de Gravine dans une opération. Tout le monde tendait qui tollait. Qui fait autour de ça. C'est normal, depuis que les gens mourent de côté, depuis que les pètes en vie humaine, il faut gagner une explication qui baille, il faut instance qui est là pour mener une enquête, dire ça qui passe. Mais tout, comment pour nous gagner la police nationale d'Haïti, qui c'est seule instance qui a garanti la sécurité du pays, à un moment où on a parlé là, qui l'a pour servir et protéger, trouver à le couvrir, à le sécuriser une funérailles, pour permettre que tout le bagage passe bien, et puis on a le voyou, assassin, bandit, sans foi ni loi, qui mettait des armes sous police, et puis ça passait comme si, comme une lettre à la poste, pas d'explication pour quelqu'un qui dit comment policier ça vous fait prendre balle dans le pied, dans le sétis, dans le dos, alors que ce n'est pas dans la guerre, allez, c'est une funéraille qui a le couvrir. Coordination nationale, la société victime coopérative, salié, décision chef l'État pour monter au état-major la MEA. Dans le sens à responsable à quoi il est important, c'est état-major la MEA qui pour faire recrutement la MEA pendant souhaiter y intégrer anciens militaires dans la MEA. Plus explication avec David Dormé, coordonnateur général, dans micro Mindrey Milias avec Hervé Pierre. Nous-mêmes, militaires. Nous avons commencé un combat. Il durait plus que 20 ans depuis que nous avons boumé pour être physique.
l'armée d'Haïti. Eh bien, je dis à l'arrivée à Temni, côté que vous montez l'état-major, nous demandez, pour nous avons commandé en chef, depuis le mois de novembre, 10 novembre, et au Cap, vous avez baillé avec hier. Et je dis en l'âme, quoi que, vous finissez avec la question de l'état-major. Maintenant, comme on n'est pas de jambe tuer nous, joue pas de tuer nous, et bien, seconde, nous avons quoi que qui est capable de faire nos bagailles. N'a pas tant performance membre état-major. Député AKEA, Pierre Fekir, Julien Palédéon, ensemble, problème qui a passé dans la commune Lyon, tant que question justice, exact insécurité qui a monté dans la région Sahara. Parlementaire a souhaité quelques mois avant de faire drapeau hein, pour problème ça yo résoudre. Un extrait dans Miko Richardson Jourdan avec Danius Théodore. Dans environ deux mois et de fête de rapport que nous avons pour nous accueillir les grands dignitaires de l'État. Justice là, nous avons un grand défi. Nous avons un substitut commissaire gouvernement qui prête serment dans l'annexe paquet à Kaye, mais qui n'a jamais démarré le travail. C'est déjà un grand défi que nous avons à combler. Parce que la police là vient faire un travail qui débordé et le commissaire gouvernement pas sur place. Donc, poursuite légale n'est pas assuré. Donc, nous avons faiblesse et attente population pas comblée. Ça vient faire un impact sur l'ensemble de sécurité à Kaye. D'autant plus, il y a une prison crasée dans Kaye. Il y a un pile bandit qui nous a interpellé le pouvoir central. Et non seulement nous dénoncer cette situation, mais nous demander pour redresser cette situation. Pour permettre que le commissaire là a fait travail, pour la justice là cap renforcer, pour la police là cap un meilleur travail, pour la sécurité à redresser à la caille. Solidarité active avec l'ID Conso Nateyo Salcon l'ouvrit mercredi 14 mars là, il y a un colloque international sur problématique consommation en Haïti. Colloque ça cap déroulé dans Port-au-Prince ça dirait des jours et puis visé encourager les citoyens dans bataille pour défendre consommateur. Esaïe Aurelius avec Moïse Ruilbridge contredit. C'est premier colloque Salcon organisé sous affaire consommation en Haïti. Pendant des journées, intervenants ou participants vous réfléchir sur le thème de contrôle qualité, marché noir, à 46 constitutions qui demandent pour toute transaction qui a fait sur le territoire, faite dans l'argent pays. C'est un groupe expert haïtien et étranger qui sélectionné pour mener débat. Bon article 6 qui dit que là, c'est good et puis l'on monte entre nos équipes magasin, nos équipes cotonnes dans le pays à afficher l'en dollar. Est-ce que Mounsaïo pas d'accord avec la constitution? Si vous pas d'accord, eh bien encouragez pour amender. Mais tant que c'est ça que là, il faut respecter l'autre constat nous fait par exemple. L'on moun a fort payé en dollar américain, il pratique tolvli. Alors que si BRH a un taux de référence de 64 gouttes, vous pouvez mettre 64, tout monter. Il faut commencer par virgule là pour le monter. C'est comme ça que vous faites ça. Mais ici, il y a une pratique. Il faut tout monter 65, 66, 70, et puis il faut peu. Donc, moun nan, non seulement il y a une illégalité, c'est comme si on est qui volait et puis c'est où la fait courir. C'est ça qui vient en commerçant là, je dis. Parce qu'il y a dit, ah, comme la va monter 67, la monter 70, la vie va le dur, la vie va le X, va le Z. Et bien la vie va le dur, si vous ne pas à manger. Vous mettez dans condition pour mettre dans la hauteur, vous ne pas à manger. Vous ne pas à manger tout non. Ministre commerce et industrie, Pierre-Marie Duméni, qui a participé dans le lancement de l'Oxa, s'allège force alcool, qui a porté collé à travers l'État, dans l'île pour protéger les droits consommateurs. Ministre Duméni annonce un ensemble de travail parmi eux. Formation un groupe expert sous contrôle qualité pour avancer avec les consommateurs. Actuellement, au moment où je prends la parole, une vingtaine d'inspecteurs fraîchement recrutés est en train d'être formés en technique de contrôle de qualité dans les locaux même du ministère. Pour une meilleure efficacité, il nous faut la participation de toutes et de tous en vue de créer une véritable synergie dans les efforts et dans les actions à entreprendre pour mieux adresser la problématique de la qualité des biens et services et vérifier que les conditions de fabrication, de distribution et de stockage répondent en tout temps aux normes nationales et internationales. Il est indispensable d'organiser des activités qui doivent permettre d'inciter des réflexions
et les échanges entre les différents acteurs du système sur la nécessité d'initier de nouvelles actions en vue de garantir la qualité des produits destinés à la consommation. Nous devons impérativement augmenter la sensibilisation auprès des consommateurs et des producteurs qui sont les éléments indispensables au changement tant espéré. Je profite pour féliciter toutes les entreprises de production qui ont déjà adopté un système de management de qualité dans une logique de protection des consommateurs et de l'environnement. D'après responsable solidarité active avec les consommateurs, Colox a venu après un ensemble constat sur mauvaise qualité de service ak produit citoyen après ses voix. C'est demain 15 mars là, Colox a privé dans bout li. Côté responsable, entendre produit un document comme résultat des bail. Nous allons observer une autre pause dans le journal là, pas débranché, Naptoné. Actualité à l'autre bord de l'eau, chambre député allemand désignée Angela Merkel, la chancelière, elle qui prêtait serment devant Bundestag là, montrait l'impatience pour commencer le travail. En suivre. Six mois après l'élection législative, député allemand aurait élu Angela Merkel quatrième mandat. Sous 688 votes valables, 364 députés votés en faveur Angela Merkel, soit 9 en plus majorité au mandat, mais 35 en moins majorité théorique là qui c'est 399 et les conservateurs et social-démocrates. Ça va jamais arriver depuis l'instauration de la démocratie pour l'Allemagne, il y a besoin tout le temps ça pour joindre un gouvernement coalition sortant qui était réuni conservateurs et social-démocrates, c'est jeune en pile critique. Finalement, reconduit mais avec en pile inquiétude. Pour plusieurs observateurs, c'est le dernier mandat d'Angela Merkel qui vient pour Kounia à 63 l'année. Chancelier allemand a rencontré un pile de difficultés pendant la dernière année. Le Parti social-démocrate allemand, SPD, déjà prévoyait un bilan coalition en 18 mois. Angela Merkel a gagné pour rassurer les partenaires sur la capacité pour l'agir. Dans le jour où Vinio, chancelier a bien pour faire une visite dans la ville de Paris pour discuter avec le président français Emmanuel Macron sous proposition réforme Lio dans l'Union et spécialement mettre sous pied un budget dans la zone euro et une proposition Berlin accueillie timidement. Plusieurs dizaines civils parmi eux, plusieurs blessés à Katimoun, quitté Ghouta Oriental là dans le pays mars 2018 là. D'après l'Observatoire syrien droit moun, plusieurs bombardements, la cause, plusieurs moun perdu la vie, sans compter l'autre qui blessé à Yamadi 13 mars là, dans l'ONU, face à échec diplomatique, côté yo demandé pour rébellion déposer armes, militaires dans le cas d'une attaque chimique contre civilio. Pourquoi elle est là? D'après l'Organisation Nations Unies, il y a un millier de monde besoin d'évacuation médicale en urgence. Et puis, il y a un millier d'autres qui ont perdu la vie pendant trois dernières semaines, ça y est, dans la région. Mes derniers rappels, Titio, président République la Jovenel Moïse, recevoit jeudi en audience dans le Palais National, secrétaire général adjoint dans l'opération Maintien la paix à Jean-Pierre Lacroix, dossier choléra, ak redéfinition et statut mini-juste. T'es dans mi-temps discussion, yo, selon ministre Affaires étrangères à Kiltla, Antonio. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine remet 900 chèques, 20 000 gouttes by Machan, victime d'IFE dans marché en fait, avec marché d'IPOR, mercredi 14 mars là. Chef gouvernement annoncé création fonds garantie, qui permet Machan de prêter l'argent à taux très bas, qui permet de reprendre activité dans diverses entreprises qui travaillent dans affaires énergie dans le pays. Chambre députée a metté campé en commission spéciale enquête pour faire lumière sous incident qui arrivait dans Pédernal. Ambassadeur États-Unis dans le pays d'Haïti fait un viré rond dans la région nord-pays pendant commencement semaine. Non. Michel Jeanne Cizon a profité à animer une conférence sur relations États-Unis avec Haïti. Actualité à l'autre bord de l'eau, chambre députée allemand désigné Angela Merkel, chancelière pour un quatrième mandat à 364 voix contre 315 mercredi 14 mars 2018 là. Angela Merkel qui prêtait serment devant Bundestag là, montrait l'impatience pour commencer le travail. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. On a invité à rester suivre la programmation télévision. Bonjour, bonne nuit tout le monde.